Ils m'ont dit, t'es où? Dans un magasin de basket. Je leur ai dit non. Je suis dans mon dressing. Ah! Gna gna gna! Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour nous et ça fait de plus en plus plaisir quand on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois, défoncez la barre des likes, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche pour ne rien manquer de tout ce qu'il y a comme nouvelle vidéo et tout ça pour pouvoir voir les vidéos en live. Bref, vous êtes au cœur de toutes les infos et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos avis et impressions concernant la vidéo du jour. Bref, on se retrouve sur Instagram et sur WhatsApp pour mieux discuter, mieux échanger. Mais avant ça, on va commencer la vidéo proprement dit du jour. Donc aujourd'hui, on va parler aujourd'hui de Lafouine. Ça fait la deuxième, troisième fois qu'on parle de Lafouine sur la chaîne. Mais là, il fallait que je réagisse à ce tweet qui a été fait. Parce que depuis un moment, on a vu le Nya 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 Challenge. Vous savez pas c'est quoi le Nya 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 Challenge? Ok, je vous mets quelques extraits de superstars qui ont fait le Nya 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 Challenge et je vous explique après. Ils m'ont dit, t'es où? Dans un magasin de basket? Je leur ai dit non. Je suis dans mon dressing. Ah! Nya Nya Nya! Hey, et on me demande, mais t'es où là? Au village? J'ai dit, bah non, je suis à la maison. Nya nya nya! Nya nya nya! Mais vas-y, t'es où? Mais vas-y, t'es où? Au village? Mais non, c'est ma famille! Ils m'ont dit, t'es où? Dans un magasin de boxeur? J'ai dit, mais non! Je suis dans ma broche à Phuket. On va brûler le séduction, le neuf, comme jamais. Et puis moi, c'est pas gna gna gna. On va laisser ça là. Moi, c'est plutôt da 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 da. Donc tout ça est venu de Lafouine qui était un jour dans son dressing. Bon, qui est en train de faire une petite vidéo, je me suis amusé, qui a balancé sur les réseaux sociaux. Et Booba, qui était tout le temps au rebond en train de l'insulter, l'attaquer et tout ça, a pris cette vidéo pour pouvoir se moquer de lui et pouvoir le voir tourner au ridicule. Mais au fait, c'est parti tout à fait à l'envers. C'est-à-dire, en fait, les mecs ont commencé à prendre ça plus pour s'amuser que plus pour se foutre un peu de Lafouine. Et lorsque tout le monde a commencé à faire un challenge et autres, Booba s'est dit, ouais, tout le monde se fout de Lafouine, il était super content. Mais après, on a tous pris de la rigolade. Et Lafouine a réagi enfin concernant ce qui se passe sur la toile. Parce que oui, depuis un moment, le mec, il joue super détendu, super zen. Il rigole à tout, il parle de tout, il est serein de tout. Et voici son tweet qu'il a mis concernant le Nya Nya Challenge. En ces temps qui ne sont pas toujours faciles, les gens ont besoin de rire. Si je peux contribuer à rendre le sourire aux plus tristes, c'est déjà une récompense pour moi. Faire grandir la haine dans le cœur des plus jeunes n'a jamais rien amené de bon. Et j'ai passé l'âge, lol. Hashtag gna gna gna. Donc il a posté ce tweet en réponse à un de ses followers qui a dit que oui, les gens voulaient se moquer de vous, je voulais se moquer de toi, comme je l'ai expliqué et tout ça. Et au fait, la vidéo est devenue super virale, le challenge est devenu super viral, tel point que toutes les superstars y sont passées, comme je vous l'ai montré. Daiju, Mad Games, des footballeurs, même c'était en bruit pour se moquer un peu de l'élimination de certaines équipes telles que le PSG. Je vais pas citer les autres parce que j'ai peur que mes abonnés se fâchent. Bref, ça fait plaisir de voir que enfin un rappeur se prend un peu au jeu de l'humour. Et comme il a dit, ça sert à rien de voir augmenter la haine, la rage dans le cœur des plus jeunes. Ça sert quasiment à rien. Le monde est déjà assez pourri et déjà assez bordélique comme ça pour pouvoir encore y ajouter. Donc s'il peut permettre de pouvoir s'amuser, s'égayer, nous ça nous fait super plaisir. Je voulais faire le challenge au départ, mais j'ai eu peur pensant qu'il pouvait penser en mal. Mais là, c'est légalisé. Faites votre vidéo avec le hashtag Nya 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 Challenge et balancez sur Twitter, sur Instagram. Lui-même il a autorisé cela, il va reposter, reposter. Bref, on va se faire plaisir, on va enfin rigoler. Ça fait plaisir de faire enfin une vidéo où on parle de rappeurs et autres et où cette fois-ci on s'amuse, on rigole. Parce que d'habitude ça vous parle de clash et tout ce qui va un peu mal. Mais pouvoir parler un peu de choses rigolotes, choses qui peuvent aider à s'égayer, s'amuser, ça fait plaisir personnellement de pouvoir parler, de pouvoir échanger cela avec vous. Sur ce, laissez-moi vos avis et impressions en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez du Nya Challenge et tout ça. N'hésitez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir parce que ça, vous savez pas à quel point ça réchauffe le cœur de voir des petits pouces bleus s'allumer au bas des vidéos et tout ça. Bref. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche, laissez-moi aussi vos messages autres sur WhatsApp qu'on puisse discuter et échanger. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye! Cordialement, Jeff. Ils m'ont dit, t'es où? Dans un magasin de basket? Je leur ai dit non. Je suis dans mon dressing. Ah! Gna gna gna!
Allez, abonne-toi. Historique et incompris, tu pars de moi, tu fais ma pub. Archiduc prend des ailes sans voix de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des